bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne, vous avez vu dans l'avatar une popole de qualité. Franchement, je vous ai pas spoilé la puissance, mais elle a une particularité, celle-là. Je vous ai montré que l'arrière, hein, d'ailleurs. C'est une sodium transparente en ballon poudré. Non, en ballon clair. Une sodium clair en ballon poudré. J'adore. Donc du coup, voilà, c'est une sodium bien spécifique celle-là parce que on ne trouve pas en France. Alors du coup, je vais vous l'ouvrir. Alors, déjà, c'est un package de qualité déjà. Ah, allez, on voit le dessus, c'est magnifique. Et là, je vais vous montrer. Vous allez me dire, what the fuck, c'est pas possible que ça existe. Alors je vous montre. Voilà, la poupoule en question. Voilà, vous voyez, allez, c'est une sodium comme bon vous semble. Une sodium en ballon clair, c'est pas souvent qu'on en voit. Sauf que là, il y a une particularité, parce que sinon, je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Si, j'en aurais fait quand même. Mais, c'est une Lucalox, bien sûr, en version 125. Oui, des sodium 125 existent bien réels. C'est pas français. Existent bien réellement. Parce qu'en fait, le truc, c'est une lampe américaine. Donc, qui dit lampe américaine, dit forcément... une lampe qu'on trouve pas nulle part. Non, du coup, ces lampes-là sont pas expérimentales, mais elles sont vraiment belles. C'est vraiment, allez, c'est joli, c'est vraiment bien présenté. C'est vraiment bien, j'aime bien ce que j'ai, ils ont fait dans les années 90, 80. Ils ont bien fignolé ça, franchement, c'est de la bonne qualité. Bon, après, c'est une qualité américaine. Hein. En France, hein, c'est bien marqué, hein, bien sûr. C'est, voilà, General Electric Company, Nella Spark, hein, Cleveland. Cleveland, c'est même pas vraiment, c'est pas une lampe qui est fabriquée, en fait, tout est en anglais, il n'y a rien, c'est vraiment USA, c'est pas une lampe française, c'est pas une norme européenne, cette lampe-là, elle est même pas en norme européenne, c'est-à-dire que cette lampe-là, elle est vraiment importée direct des États-Unis sans passer par l'Europe. Bon, années 80, il n'y avait pas non plus la communauté européenne, mais franchement, c'est une dinguerie de se dire que, bon, il y a eu quand même des spoils en France, par rapport à ces lampes-là. Les fameuses Lucalox 125. J'ai fait une vidéo il y a une paire de temps, c'est une bonne paire d'années, par rapport au catalogue Eclatec 76. On avait vu dedans des poupoules justement spécifiquement conçues pour la LCO. Bien sûr, dans les années 80, 70, 80, je vous expliquerai après. Mais on trouvait de la sodium 125 avec la version comme ça, ballon clair. Et en fait, GE était très rattaché, en fait. Bon, c'est une histoire assez loufoque, mais GE était avec Eclatec, fut un temps. En fait, a racheté Eclatec, bon, je vous donne pas les détails. Et donc, du coup, GE a vendu pas mal de lampes. GE, chez eux, chez Eclatec. Donc, c'est pour ça qu'on avait la LCO 77, 125, donc la 77S en 125, donc celle-là. Pas BF, hein, bien sûr, mais la version sodium. Moi, vous allez me dire pour quelle utilité. Alors, j'en sais rien du tout pourquoi ils ont fait une sodium 125. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc, on a actuellement en poupoule, j'espère qu'on m'entend bien, je pense que oui. En poupoule, on a BF 125, sodium 125, iodure 125. J'ai toutes les gammes de lampes à décharge 125, hormis la sodium basse pression, parce que ça, c'est compliqué. Mais un bel ouvrage, une belle installation. J'en ai pas mal de cartons comme ça. J'ai un carton complet et un carton de neuf, hein. Donc du coup ça me permet d'utiliser, de mettre une de mon côté. Ça vous fait plaisir bien sûr. Voilà un petit peu le truc. Alors, je vous garantis ça fait plaisir parce que de base on n'a pas l'occasion, j'ai pas l'occasion de vous montrer beaucoup de lampes à chaque fois. J'ai pas l'occasion, hein. Mais là voilà, donc je, par contre le prochain coup que je ferai beaucoup de vidéos, je pense que c'était, je mettrai un rack. Là ça va, c'est bien lumineux. Mais sinon c'est un peu compliqué. Mais sinon voilà, je suis fier de vous montrer cette lampe là. Bon, après, c'est pas non plus foufou, hein. C'est voilà, donc USA. Donc, je savais très bien que ça existait depuis fort longtemps, mais j'en avais jamais eu dans mes mains. Et maintenant, j'en ai une. Alors, c'est très intéressant à obtenir. Par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est quoi le palace Trotrichine pour ça? Parce que je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il faut une. C'est vrai, c'est américain, donc on ne peut pas savoir réellement c'est quoi comme ballast. Hein. Mais je pense qu'il y a des ballasts sodium de 125 watts en Amérique. C'est comme les iodures 175 watts, hein, bien sûr. Mais franchement, ça serait un régal d'en allumer une. Bien sûr, c'est pas possible, c'est mort. Je ne sais pas, j'ai aucune doc sur ces 125 watts. Non, parce qu'en fait, en France, il n'y en a jamais eu. Donc, du coup, je ne sais pas réellement comment on peut faire pour l'obtenir.
les machins techniques dessus. Bon, je sais qu'il faut un amorceur. Bon, l'amorceur Philips, c'est mort, hein. Je pense que ça va être un ballast bien agréé GE, parce que j'en connais pas d'autres qui en font. Franchement, ça rend vraiment bien. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Voilà, je vous montre un petit peu la poupoule Sodium 125. Ça fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, c'est quand même bien, quand même, une Sodium 125 watts. En plus, son ballon clair, c'est magnifique, hein. Hein, c'est pas faux!